Ophélie Meunier doit s'absenter de zone interdite. La présentatrice phare de l'émission diffusée sur M6 s'apprête à accueillir son deuxième enfant, avec le producteur Mathieu Vergne. Lundi 23 août, Ophélie Meunier a tenu à partager sa rentrée pas comme les autres sur Instagram. Elle a publié un cliché où l'on voit son ventre bien rond, accompagné de la légende « En cette fin août, si est-il le début de mon congé maternité, je me prépare à accueillir notre deuxième bout de chou. Je laisse pour quelques semaines les commandes de Zone Interdite sur M6 à Florence de Soultrait et du journal Inattendu sur RTL à Anaïs Bouton. Je sais qu'elles vous accompagneront toutes les deux parfaitement bien. » Florence de Soultrait remplacera Ophélie Meunier à partir du dimanche 29 août. Pour l'occasion, elle présentera un reportage sur le zoo de Beauval. Ce parc situé dans le Loir-et-Cher a récemment fait parler de lui avec la naissance de deux bébés pandas. Florence de Soultrait a déjà remplacé Ophélie Meunier. Florence de Soultrait n'est pas inconnue à la télévision puisqu'elle a déjà remplacé Ophélie Meunier à la tête de Zone Interdite en 2019, pour la naissance de son premier enfant. Elle a également remplacé Xavier Demoulin à la présentation du journal 19h45 sur M6. Avant cela, elle réalisait des reportages pour 66 minutes et enquête exclusive. Florence de Soultrait est diplômée de l'école de commerce ESSEC. Elle a d'abord travaillé en tant que consultante pour la banque d'investissement Goldman Sachs avant de se tourner vers le journalisme. Si son nom ne vous est pas familier, si est-il parce qu'elle s'est mariée récemment. Elle était auparavant connue sous le nom de Florence Trénard. Elle s'est mariée à Arthur de Soultrait, le fils du vicomte Éric de Soultrait. La cérémonie a eu lieu le 29 juillet dernier dans le Lot-et-Garonne, au château de Poudenas.